Salut, salut les survivants et les survivantes, c'est le Toucan. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de vengeance aujourd'hui. Alors on est sur la base de J-J-A-Y. G-Check YouTube, c'est une base qui n'est pas référencée. Alors je suis venu faire un premier petit tour, voir si j'avais besoin de ces 4. La base est microscopique. Alors si je fais la vengeance, c'est d'abord parce que la base n'est pas référencée, et ensuite parce que ça ne me coûte pas de ces 4. Donc... tant qu'à faire, on en profite. Donc là, il y a un petit coffre, on va passer par ici. Désolé, je suis complètement malade. Je m'apprêtais à faire mon raid quand je me suis connecté ce matin. Et bien entendu, je suis tombé sur la vengeance d'un petit salopio qui m'a piqué 45 kits de soins, des pansements. Donc j'espère que je vais pouvoir récupérer ça. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui m'a piqué. Vous voyez, les tenues, soit que je laisse dehors. Tiens, il m'a piqué ça. Enfin, il m'a pas piqué, mais je vais lui piquer. Voilà. Ça va pas être une grosse vengeance. Mais bon, au moins je récupère. Parce que ça aurait été des trucs bien que j'aurais laissé. Bon, par contre, l'essence, ça, je suis content. Il y a même une belle petite hache en fer, dis donc. Voilà. Hop. Ici. Oh, mais encore des haches en fer, mais c'est formidable. Elle est cool ta base, mec. Allez, on va débarrasser ces deux gros là. Ils vont m'embêter pour le prochain coffre. Voilà. Alors, par contre, je trouve ça un peu exagéré qu'ils puissent pas passer, les gars. Là. Eh, la peau de renard, ça va être pas mal. Je vais te laisser ça, ça et ça. Hop, donc si je sors, je suppose qu'il y a tous les merdeux qui vont me tomber sur le paletot. Voilà. Alors, on s'en occupe, de toute façon, on n'a pas le choix. On va mettre des trucs dans le chopper. Ah, j'étais sur le point de valider mes quêtes auprès des raiders tout à l'heure. Et je suis tombé là-dessus. Donc on va mettre ça, ça. Bon, on s'en fout ce qu'on met en fait. De tout, peut-être mettre des slots complets. Histoire que si jamais j'en retrouve dans le dernier coffre, que je puisse compléter. Elle est où sa base? Elle est par là. Donc on ouvre le dernier coffre. Ouais, on va péter ça pour voir. Ouais, y'a rien. Vraiment microscopique la base de net. Ok, encore des kits de soins, il va y avoir de la pierre, ça m'intéresse par contre. Allez, vas-y Toto. Attendez, venez par là les loulous. Ces messieurs, ouais. Ah, il rentre plus maintenant dans les chemises. Ouais, c'est pas grave, on s'en débarrasse comme ça. J'ai pas le temps d'attendre. J'ai un vrai raid qui m'attend. Allez, sa base, elle est là. Je suis complètement au radar. J'ai vraiment passé une très mauvaise nuit. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je pense que je me suis chopé une petite crève de saison. C'est formidable, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je suis en train d'essayer de réorganiser pour voir ce que je laisse, ce que je prends. Bon, ça, quand même, concrètement, OZEF, parce que je ne fais pas le cimetière, en fait. Je trouve que c'est pas rentable par rapport au temps qu'on va passer à farm. Est-ce qu'on récupère? Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, la clé plate, je suis full. C'est bon. Et puis là... là, que dalle, concrètement. On va partir avec un slot vide, quand même. Alors, prendre des briques.
Allez. Bon ben voilà, petite vengeance. Rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, mais bon. Comme ça, c'est fait. Au moins j'ai récupéré mes kits de soins. Et puis tout ce qui m'avait piqué en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Allez, on conduit, on rentre à la base, je range tout ça et je lance le raid juste derrière. Peut-être prendre un petit Doliprane avant. Non, ce n'est pas du placement de produit. C'est juste que j'ai vraiment la crève et que je suis pas au forme. Et vu que je viens de me péter une vengeance pourrie, je me dis que le raid sera peut-être meilleur. Mais bon, c'est pas dit. Donc c'était la base de Jay. Et il faut que je pense à faire des screens à chaque fois des bases avant que j'aille les raids, parce que. Que je mette ça en miniature sur la vidéo, ce sera plus simple. Bon ben merci Jay, tu m'as pété deux murs en level 3 pour rien. Sympa. Sans compter les quelques murs level 2 qui m'est cassé aussi. Bref. Osef. Allez. Hop. Donc voilà. Toutes mes quêtes sont faites. Je viens de faire mes deux largages ce matin. Nous, on va pas tarder à partir en raid. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo microscopique, je sais même pas si je vais vous la mettre en fait, sincèrement, vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt. On approche les 150 raids. J'en suis bientôt à 150 vidéos de raid. Donc merci à ceux qui me suivent depuis un moment. Et puis merci à ceux qui me rejoignent. Nous on se retrouve donc, je disais, très vite pour une nouvelle vidéo. Donc normalement dans la foulée. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!